Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre, vous qui êtes sur Youtube, que le Seigneur vous bénisse, prenez courage, nous ne sommes pas très loin du retour de Jésus et nous allons en parler dans quelques instants. J'aimerais vous parler aujourd'hui donc sur la dernière prière de la Bible. Alors allez à la dernière page de votre Bible, la toute dernière page de votre Bible, Apocalypse chapitre 22 et nous allons lire un verset, le verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Dernière prière de la Bible. Et l'Esprit, évidemment le Saint-Esprit, et l'épouse, qui est l'Église, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Après la lecture de ta parole, Seigneur, que ce puissant marteau, cette masse, puisse toucher nos cœurs, écraser notre orgueil, nos impuretés, nos saletés, nos manquements et nos péchés. Que tu puisses te glorifier dans nos cœurs et nos âmes. Nous te demandons particulièrement l'aide du Saint-Esprit, afin que nous comprenions, Seigneur, à quel point nous sommes rendus dans le temps. Nous te bénissons pour l'éternité qui nous est réservée, pour l'héritage de gloire qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux du crucifié de Golgotha, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 On peut s'asseoir, frères et sœurs. La dernière prière de la Bible. On va dire, c'est l'ultime prière. L'Esprit, le Saint-Esprit, unit à l'épouse, l'Église de Dieu, les deux entités disent, viens, viens. Est-ce que dans ton cœur, il y a ce cri Est-ce que tu dis dans ton cœur, Seigneur, encore un petit peu de temps, pas tout de suite Amen, alléluia, quelle belle réaction Amen, viens, viens, Seigneur. Le plus tôt possible sera le mieux. L'esprit est l'épouse. L'épouse. Qui est l'épouse L'épouse, c'est l'Église. L'Église qui possède un bonheur incomparable. Elle est aimée de celui qu'elle aime. Elle vit sur terre d'heureuses fiançailles. Mais nous ne sommes que fiancés. Et vous connaissez l'étape suivante, après les fiançailles, arrive le jour du couronnement, le mariage. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ⁇ Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, propre. ⁇ L'épouse possède un bonheur incomparable. Elle est aimée de celui qu'elle aime. Elle jouit de sa communion. Notre communion est avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. L'épouse travaille pour lui. L'épouse travaille pour le faire connaître. Et ce qu'elle veut, ce qu'elle désire le plus, c'est vivre avec lui. Être unis à lui dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans les bons ou les mauvais jours. L'apôtre Pierre va dire, lui, en parlant de Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu, sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus. La plupart des chrétiens, 99%, n'ont pas vu Jésus. Et nous marchons par la foi. C'est uniquement, je dirais, l'huile du moteur spirituel qui nous habite, la foi. La foi doit couler continuellement en nous. Elle doit être ravitaillée, renouvelée tous les jours. Et l'épouse désire vivre, être unie pour toujours avec son époux. L'Église souhaite ardemment cela et voilà pourquoi elle désire de tout son cœur ce jour trois fois béni où son fiancé divin viendra la chercher. Viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent ensemble à l'unisson, viens. Que celui qui entend... Disent viens, vous entendez Alors que dites-vous viens. viens, bravo, vous comprenez Alléluia. C'est merveilleux pour un prédicateur d'être compris. <laughs> Alléluia. L'Église souhaite cela. C'est vrai, quand Jésus viendra, eh bien, ça sera un jour de bénédiction inimaginable. Jésus viendra. C'est certain, c'est une certitude bénie. Mais j'aimerais juste ajouter que sa deuxième venue, puis ce sera la deuxième, est dans la Bible bien plus annoncée que sa première. Et pourtant, sa première venue, les prophètes de la Bible l'ont annoncée fois après fois, que ce soit Jérémie, que ce soit Ésaïe. Que ce soit à Mosque, que ce soit euh, dans la Genèse, Moïse, ainsi de suite. Elle a été annoncée fois après fois, la première venue. Et pourtant, la deuxième est annoncée encore plus de fois. C'est certain, il va venir. Il va revenir. Hallelujah. Et les anges, les anges l'ont dit clairement aux disciples qui l'ont vu monter, qui ont vu monter Jésus au ciel sur la montagne des Oliviers. Les anges ont dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La même manière, il est monté au ciel et il va revenir du ciel pour chercher son Église. Un jour viendra où sur les nuées glorieuses des cieux, Jésus va descendre. Jésus lui-même a déclaré, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Sa première venue, quand il est venu sur la terre, la première fois, sa première venue est quasiment passée inaperçue. Pour la grande partie, je dirais la plus grande partie du monde civilisé, vous savez, à Rome, à cette époque-là, c'était le grand empereur Auguste, dans son magnifique palais à Rome. Lui, il n'a pas été troublé une minute, pas un seul instant, par cet événement. La naissance d'un bébé dans une pauvre crèche là-bas, quelque part, dans un village perdu, faisant partie de la plus petite partie de son empire immense. Mais quand Jésus va revenir quand Jésus va revenir dans sa gloire et en personne comme fils de Dieu, quel spectacle extraordinaire vont vivre les chrétiens. Ce sera un spectacle mondial que les païens ne verront pas, mais qu'uniquement les chrétiens vont voir et vivre. Et Jésus a insisté sur ce fait. Il viendra lui-même en personne, mais d'une façon totalement inattendue. Et c'est là où le bas blesse pour certains, parce qu'il n'y aura pas de signe, je dirais, particulier de la venue de Jésus. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Le voleur ne donne pas de signe particulier de sa venue. C'est l'image que le Saint-Esprit nous donne. Jésus revient comme, comme un voleur. Et il a dit, si le maître, le patron, le propriétaire d'une maison savait qu'un voleur doit venir, il ne laisserait pas briser, casser les fenêtres, la porte ou, le, ou quoi que ce soit. Percer sa maison. Et Jésus a dit: Tenez-vous prêt. Donc il a parlé d'être prêt. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. C'est le vieil apôtre Jean qui, à l'église de Sardes, va rapporter les paroles de Jésus une église morte imaginez une église morte est-il possible qu'une église soit morte alors que lorsqu'on est venu à la croix, qu'on a accepté le salut, c'est la vie qui est entrée en nous, les morts. mais maintenant cette église est tellement rétrogradée, tellement empreinte de l'esprit du monde, que la bible dit elle est morte extérieurement, elle passe aux yeux des autres comme étant pleine de vie, ça bouge là-dedans, il y a des activités, ta, 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 y a cette suite. Mais, mais le Seigneur dit, j'ai regardé d'en haut et je vais te dire, à mes yeux, l'église de Sardes, elle est morte. Aucune vie. Aucune vie. Et le Seigneur va réprimander cette église et dire, si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'apôtre Paul va parler aux Thessaloniciens et il va dire, vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'apôtre Pierre a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Que ce soit Jésus, que ce soit Jean. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, on voit l'unanimité de pensée. Quelle certitude Jésus revient un jour particulier où on n'y pensera pas. Jésus a dit, a donné l'image de l'époque de Noé. Il a dit, ça sera comme du temps de Noé. Du temps de Noël, les hommes se mariaient et donnaient en mariage. Ils mangeaient, buvaient, s'amusaient. Et le déluge vint et les fit tous périr. Et Matthieu 24 nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire qu'ils n'y pensaient pas. Ils avaient été avertis, le prédicateur avait été ridiculisé, moqué, noé, mais ce qu'il disait étant une minorité négligeable, les gens l'avaient méprisé. Mais il avait raison. Et c'est lui qui possédait la vérité. Et tout le reste du monde entier ont péri sous l'eau. Il est dit que les hommes se marient dans un mariage. Ils mangeaient, buvaient, s'amusaient. Ça veut dire que les activités vont continuer jusqu'à la dernière seconde. Et Jésus a donné l'exemple aussi de Sodome et Gomorre. Que se passa-t-il la dernière nuit de cette ville corrompue à l'os les habitants de Sodom et Gomorrah étaient très loin de se douter qu'ils n'avaient plus que quelques heures à vivre. Et la nuit, la dernière qu'ils ont passée sur terre, ils l'ont vécu comme d'habitude dans des abominations et des orgies. Et le matin, au petit matin, le feu de Dieu tombé à brûler tous ces gens-là voilà ce que Dieu pense des gens de Sodome et de Gomorrhe du 21e siècle il les fit tous périr le feu du ciel est tombé soudain sur eux dès le matin que ce soit les eaux du déluge, que ce soit le feu sur Sodome, ce sont de très faibles images par rapport à ce que sera le jour du Fils de l'homme. Ce jour va surprendre les habitants de la terre comme le filet de l'oiseleur surprend sa faible proie. Le psaume déclare en disant, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, priez, priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui vont venir sur la planète Terre. La force d'échapper, je veux échapper. Comment échapper le seul moyen, c'est l'enlèvement. J'attends, j'attends le jour où soudain la puissance du Saint-Esprit va me soulever au-dessus de cette planète Terre et m'emmener là-haut dans la gloire et je verrai mon Sauveur et tous mes frères et sœurs enlevés soudainement, instantanément, puissamment, miraculeusement. Alléluia, Alléluia. Quel avertissement. Quel avertissement pour ceux qui ne savent pas ou ignorent ou veulent ignorer qu'un jour pareil s'approche actuellement à grande vitesse. Les découvertes qui ont été faites à Ur, Ur, la ville de Chaldée, sont des preuves irréfutables du déluge. Ce qu'on découvre en haut de certaines montagnes, en haut des montagnes, des, des, des poissons fossilisés en haut des montagnes sont des preuves, des preuves du déluge qui a recouvert toute la planète Terre avec les poissons. Les fouilles qui ont été faites au sud de la mer Morte sur l'emplacement des deux villes maudites. Sodome et Gomorrhe ont corroboré le récit biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il y eut une pluie de feu, et dans le sable encore aujourd'hui, on peut voir l'impact des gouttes de pluie de feu partout. C'était une pluie de feu. Exactement selon le texte de la Bible. Notre époux bien-aimé, Jésus-Christ, va revenir soudainement. Soudainement. Le mot grec, c'est takou, qui a été traduit souvent par bientôt, je viens bientôt. En réalité, on devrait traduire je reviens soudainement. Takou, soudainement, tout à coup. Comme un voleur dans la nuit. Comment souhaiter un pareil retour Est-ce que pour, je dirais, sa fiancée, un fiancé vient par surprise comme un voleur Non. Alors le retour de Jésus va se passer en deux temps. Premièrement, l'Église, évidemment, va aller... Va monter à sa rencontre, et la Bible dit, dans les airs. Dans les airs ouais, je faut avoir le vertige, pasteur. <laughs> non, non, n'ayez pas peur. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 Le Seigneur lui-même, en personne, en personne, lui-même, a un signal donné à la voix, pas d'un ange, d'un archange, plus haut que les anges. Un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, donc il y a des étapes. Ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens vivants, qui serons là sur la terre, restés, tous ensemble, all together, tous ensemble, nous serons enlevés avec eux, c'est à dire avec ceux qui nous ont précédés, qui ont cru, qui étaient dans les tombeaux, mais qui sont déjà avec le Seigneur. « Nous serons levés tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. »« Dans les airs, in the air, hallelujah Dans les airs !»« Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »« Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Répétez avec moi. « Et ainsi nous serons... » toujours avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. L'Église mondiale a été prévenue qu'il y aurait trois signes de l'arrivée de son fiancé. Un signal, la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu. Comment est-ce qu'on va entendre ça? Comment est-ce que ça va se manifester? La parole de Dieu est muette vis-à-vis -vis de cela. Donc, on en reste là. Y aura-t-il un espace de temps assez long entre chaque, je dirais, événement, le signal, la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu On ne le sait pas. Je ne pense pas que nous puissions vraiment comprendre ce que sont ces signes-là. Mais c'est ce qui va se passer. Et on va les reconnaître. Alléluia. Il me semble qu'aujourd'hui, il euh, y a un archange quelque part qui est en train, comme notre frère Guétan quand il arrive le dimanche matin, il se fait les lèvres, vous voyez, et puis il met sa, sa trompette, vous voyez. Je pense que l'archange dans le ciel commence à se faire les lèvres, amène qu'il a déjà euh, la trompette aux lèvres pour sonner le retour, la descente de Christ euh, au niveau de la planète Terre. Alléluia. Merci Seigneur. Et par un moyen médiatique mondial, par un moyen de communication sans fil, par un moyen, je dirais, divin, nous entendrons ces mots glorieux Jésus, vient. sois prêt pour la rencontre de ton époux. Hmm. Si nous avons le bonheur de ne pas passer par la mare, Puisque nous ne mourrons pas tous, va dire l'apôtre Paul, si nous avons, je dirais, le bonheur de voir revenir Jésus de nos propres yeux, nous assisterons premièrement à la résurrection de ceux qui sont morts dans le Seigneur. De ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui sont morts dans les bras de Jésus, qui sont morts dans la foi. Et je sais que Dieu peut simultanément ressusciter nos morts et nous transmuer, nous transformer. Et cependant, l'apôtre Paul donne un ordre précis des choses, ces événements titanesques, ces événements formidables, mondiaux, voyez, qui vont euh, donc se, euh, se passer lors de l'enlèvement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, voyez, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, Toc, on va monter. Alléluia. Quelle joie. Alléluia. Quelle joie indescriptible, ineffable. Alléluia. Unspeakable and full of glory. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le français est passé bon. Alléluia. Alléluia. Nous aurons revêtu nos corps de gloire. Ça ne sera plus le petit body avec des lunettes puis des appareils pour écouter. Ça sera un, un, un corps de gloire, un corps de puissance avec lequel nous vivrons pour toute l'éternité et nous verrons Christ. Gloire au Seigneur. Ils auront été changés en créatures célestes. En créatures célestes. Ils auront revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. Nous ne pourrons plus mourir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il y a dans nos cœurs, évidemment, une attente joyeuse. Amen. Une attente joyeuse et à ce moment-là, nous partirons avec nos bien-aimés dans la gloire qui nous avait devancés, qui étaient morts donc avant nous. Alors on ira au-devant à la rencontre de notre épouse céleste. Moi je pense toujours, le jour où je me suis marié, j'étais en avant et j'ai vu là-bas dans la petite église, quelqu'un arrivait. Alléluia. C'était mon épouse. Alléluia. La joie dans mon cœur. J'ai tressailli. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me rappelle comme c'était il y a deux minutes. C'est tellement émouvant. <laughs> Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Imaginez la joie de Jésus. Amen. Quand lui, Amen, va voir son épouse prête. Alléluia. Et quand il va lui dire, viens. Viens ma chérie. Alors, viens ma chère. Viens ma bien-aimée. Ça sera inimaginable. inimaginable. Il nous aime. Et le diable nous répète jour après jour. Oui, il t'aime pas autant que ça. Ta menteur, ta voleur. Vous voyez après, il y aura là-haut dans la gloire la fête des noces. On s'en va à un mariage, mon frère, ma soeur. La fête des noces. Et la Bible dit heureux, heureux, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est la quatrième béatitude de l'Apocalypse. Il y en a sept. C'est la quatrième. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. As-tu reçu ton invitation Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous participerons comme épouses. Imaginez, en tant qu'épouse, après cela, au jugement du monde. Et ce sera le jour du Seigneur, le jour grand et redoutable. Et c'est là que Jésus mettra fin à la période de la grâce. La Bible dit qu'il apparaîtra avec nous, au-dessus de la terre, au milieu d'une flamme de feu pour punir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là auront pour châtiment, nous dit la Bible, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force, de sa puissance. Pourquoi ce châtiment terrible pour quel crime Pour ne pas avoir connu Dieu. Une vache connaît le fermier. Et la créature sur terre ne connaît pas celui qui l'a créée. David a dit... C'est toi, Seigneur, qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu étais là, le jour de ma naissance, à la maison, à l'hôpital, ou en brousse. Tu étais là, tes yeux. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as créé avec des yeux, des oreilles, des bras, une bouche pour te louer, te servir, être à ton service. Il reviendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas. Ne pas avoir connu Dieu, avoir vécu sans lui, pas besoin de toi Jésus, ne pas avoir obéi à l'Évangile, châtiment, ruine éternelle, loin de la puissance, de la gloire du Seigneur. Tous les enfants de Dieu devraient se réjouir de son retour. Tous les enfants de Dieu devraient souhaiter ce retour. Mais le problème, c'est que beaucoup ne se réjouissent qu'avec peur et tremblement. Et beaucoup de chrétiens souhaitent que ce retour soit le plus tard possible. Non, non. Pendant les années noires, en France, durant la Deuxième Guerre, il y a eu environ deux millions de prisonniers de guerre. Et la moitié des prisonniers avaient une femme qui les attendait. Et beaucoup de ces femmes ne souhaitaient pas le retour de leur mari. Parce que certaines avaient donné leur cœur à un autre homme. Certaines avaient peur, redouté un retour subi de leur mari, inattendu, un retour soudain, qui aurait révélé au mari certaines mauvaises habitudes, certaines tromperies, certaines compagnies indésirables. Et ces femmes craignaient de perdre leur indépendance, peur de se trouver en désaccord avec leur mari prisonnier libéré. Garde-moi Seigneur, fidèle à toi. Attention aux chrétiens qui ont le cœur partagé, qui a le cœur infidèle, pire, qui peut avoir le cœur endurci. Ces chrétiens ressemblent à ces femmes. Sonde-moi, ô oh Dieu. Éprouve-moi, connais mes pensées, ce que je pense, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Garde-moi Seigneur, fidèle à toi. Que le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous sonde et nous révèle pourquoi la pensée du retour de notre fiancé divin nous inquiète plus qu'il ne nous réjouit. Mais, à cette même époque, en France, heureusement, il y avait des femmes, des prisonniers de guerre, qui souhaitaient ardemment le retour de leur bien-aimé, et elles vivaient pour lui. Elles étaient avec lui, en pensée. Elles ne faisaient rien pour que le bien-aimé, à son retour, aurait blâmé. Leur bien-aimé aurait pu revenir à n'importe quel instant sans rien trouver, sans rien reprendre, sans rien redire. Et ces femmes-là, fidèles, étaient sûres de s'entendre avec lui. Pourquoi Je vais vous le dire en un mot. Elles aimaient. Elles avaient de l'amour. Même tu, Pierre, Pierre, Pierre. M'aimes-tu? Oui, je t'aime un peu. Non, non, ce n'est pas ça qu'il veut. Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Obéis. Voilà le secret de l'attente. Aimons-nous vraiment notre Sauveur de tout notre cœur Vivons-nous juste pour lui Est-ce que nous avons peur Est-ce que nous redoutons de lui faire de la peine Pensons à tout ce qu'il a fait en notre faveur. Un seul regard au Calvaire. C'était pour toi les mains percées. C'était pour toi les pieds cloués. Tout ce qu'il a fait. Nous qui étions au service de Satan, au service du diable, nous qui ne le connaissions pas, nous qui étions morts par nos offenses, nous marchions selon le monde, selon le prince de la puissance de l'air nous étions comme les autres des rebelles fils et filles de la rébellion nous étions de leur nombre mais dieu qui est riche en miséricorde mais dieu qui est riche ne serait-ce est-ce que je ne serais pas reconnaissant pour cela Sa miséricorde dure à toujours. Il y a un psaume qui a 26 versets et 26 fois, il y a cette expression dans ce psaume, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Réjouissons-nous de ce que bientôt nous le rencontrerons en personne, en personne. Nous le verrons. Nous le verrons, lui. Nous pourrons le voir face à face. Et nos yeux plongeront dans ses yeux. Et ses yeux plongeront dans les nôtres. Nous pourrons toucher ses mains percées pour nous. Nous pourrons lever nos yeux vers ce front sacré et on verra la cicatrice de la couronne d'épines affreuse. Nous pourrons embrasser à genoux les marques des clous qui l'attachaient à la croix pour notre salut. Quelle immense joie, pleine d'émotion. Je comprends un peu pourquoi la Bible dit que le Seigneur essuiera toutes nos pleurs. On va pleurer en le voyant. Alléluia. Les mots, les expressions, la dialectique me manquent pour vous donner une faible idée de ce que sera notre bonheur. Nous aurons plus que la vision de sa personne. Nous aurons le privilège de nous unir à lui. Nous aurons des corps glorifiés. Ça veut dire qu'il y aura une collaboration parfaite avec lui. Une union totale, sans aucune ombre. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens soudainement. Trois fois, dans le dernier chapitre de la Bible, nous avons cela. Trois fois. Oui, je viens soudainement. Et en pensant à ce bonheur, alors nous écrions la dernière prière, la dernière supplique de la Bible. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alors nous avons besoin d'avoir actuellement une attente vigilante. Vigilante. C'est la recommandation expresse et répétée de Jésus. Veillez et priez. Veillez donc, veillez car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Je le dis à tous, veillez. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Je suis né dans un département de la France qui s'appelle la Loire. Il y a quatre fleuves en France la Seine, la Garonne, le Rhône. Et la Loire. Et tout le monde a euh, entendu parler des châteaux de la Loire. Des millions de visiteurs vont vers ces châteaux. Des châteaux royaux, des châteaux princiers. Il y a le château de Blois, avec ses souvenirs sanglants. Il y a le château d'Amboise, à son balcon. Beaucoup de chefs huguenots ont été pendus à l'époque. Le château de Chambard, beauté incomparable. Le château de Chenonceau, bâti pour une reine de beauté. Mais il y a un château, j'aimerais vous parler aujourd'hui, particulier. Modeste, plus petit. Le château de Cheverny. Depuis des siècles, ce château appartient à la même famille. Et le marquis de Cheverny eut la bonne idée de mettre, lors de la Révolution française, il a mis sur sa tête le bonnet rouge des révolutionnaires, et ça a épargné son château d'être saccagé, d'être pillé. Ce marquis était aimé de ses paysans qui travaillaient pour lui autour, et la plupart des chambres aujourd'hui, sont encore conservés, Il y a beaucoup de meubles anciens, de vieilles tapisseries. Et ce qui est frappant dans le château de Cheverny, c'est une chambre, une chambre particulière. On l'appelle la chambre du roi. Il y a un lit magnifique, garni de courtes pointes brodées. Et un visiteur du château, un jour, a demandé au gardien, est ce que c'est la charme du roi de France? Ou c'était la charme du roi de France? Est ce que le roi est venu à Cheverny, et dans cette région de Cheverny, il y avait euh, à l'époque la, la chasse, et donc les, les marquis, les, les grandes de, de France venaient chasser le cerf, vous voyez, dans cette région là. Hein, ce très jeune était célèbre pour ce terrain de, de, de chasse, et euh, le, le roi Henri IV s'y était invité. Et Henri IV avait manifesté le désir de venir, mais il n'a jamais pu le réaliser. Et cependant, les châtelains avaient préparé la chambre du roi, et la chambre du roi était toujours tenue prête l'hiver on brûlait d'immenses bûches dans la cheminée l'eau était toujours fraîche dans les pots et les aiguières mais le roi n'est jamais venu et sa chambre l'attend toujours <laughs> mais si par bonheur le roi était venu tout serait prêt vous avez compris la leçon. Quelle leçon Ce que des hommes ont fait pendant plus de trois siècles pour un roi humain, le faisons-nous pour le roi des rois Notre chambre est-elle prête Ou bien notre chambre est-elle encombrée de mille et un meubles disparaître, poussiéreux ici et là. Sors de moi, ô oh Dieu! Connais mon cœur, regarde! Est-ce que tu es vraiment prêt, prête pour le retour du roi, si c'était aujourd'hui? La Bible dit prépare-toi. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Et les hasards. Parlait à Rebecca sur le chameau pendant le voyage, alors qu'ils allaient et qu'elle s'en venait vers son futur mari Isaac. Et Gaïn aidait Esther à faire sa toilette pour le jour où elle serait présentée devant le roi Assuérus. Et le Saint-Esprit, actuellement, est en train de nous parler Tu vas être présenté au roi des rois! Épouse de Christ, es-tu prête As-tu fait ta toilette Es-tu propre Qu'est-ce qui vous encombre dans votre vie Peut-être cette amitié que vous avez formée. Si Jésus revenait cette nuit, qu'est-ce qu'il en penserait Qu'est-ce qu'il en dirait Peut-être ce fameux spectacle pour votre plaisir si Jésus revenait demain, est-ce que vous iriez à ce spectacle Cette habitude que vous avez, qui est déplorable, est-ce que vous la garderiez si vous étiez dans l'attente du retour de Jésus Ou êtes-vous de ceux qui, voyant que le maître tarde, on commence à battre ici et là vos frères et vos sœurs J'espère que non. Peut-être que vous êtes de ceux, hélas, qui, voyant Jésus tarder, s'endorment et commencent à ronfler. Faites bien attention au sommeil de l'enfer. Satan est un hypnotiseur. Il endort. C'est un poucheux. Il veut vous endormir par la drogue mensongère. La drogue de la chair, le sommeil de la convoitise. Peut-être que vous êtes de ceux qui n'ont pas pris de précautions pour remplir votre lampe et que vous commencez à vous diriger vers le groupe des vierges folles. Une lampe, c'est bien beau. Dire je suis chrétien. Mais est-ce qu'il y a de l'huile Est-ce que la lampe est remplie Est-ce qu'il y a l'onction de Dieu L'horreur de ce réveil, lorsque le maître va arriver, et si vous n'êtes pas prêt, si vous avez l'extérieur, mais qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur, vous verrez et vous entendrez les grandes portes du ciel se fermer devant vous, avec les mots. Qui vont retentir pour vous pour l'éternité jusqu'au fond des flammes de l'enfer. Je ne vous ai jamais connu. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'entend parmi mes auditeurs auditrices qui puisse être dans cette catégorie. Seigneur, réveille-le tandis qu'il est encore temps, qu'il dise avec nous, viens, Seigneur Jésus. Alors l'apôtre Pierre parle non seulement d'attendre le Seigneur, mais il dit qu'on peut hâter le retour du Seigneur. Hâter Oui. On peut hâter le retour du Seigneur. Hâter l'accomplissement de ce désir ardent de nos cœurs. Et d'une certaine façon, peut-être, ça dépend de nous aussi si Jésus tarde. Est-ce que nous avons servi à hâter ce jour. Comment pouvons-nous le faire S'il tarde tant que cela, peut-être que nous devons nous humilier. Peut-être que nous devons nous frapper la, la poitrine. Le Seigneur a dit à Abacuc Si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors que faire eh bien, il faut travailler. Il faut travailler à compléter l'épouse de Christ. Il y a encore des gens à gagner à Jésus. Cette semaine, il y a bien plus de monde qui sont entrés dans le royaume de Dieu que la semaine passée. Ça veut dire que durant la semaine, il y a des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur autour de la planète Terre. Seigneur, à ce moment-là, donne-nous encore un petit peu de temps pour gagner de nouvelles âmes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut prêcher en toute occasion, favorable ou non. Il faut dresser la croix, le sacrifice de Christ, sous les yeux de tout le monde. Il faut faire, je dirais, voir aux inconvertis le danger qu'ils courent et leur dire, sortez du milieu d'eux. Cette race perverse est corrompue. C'est l'apôtre Pierre qui a prêché cela le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Sortez du milieu, cette génération perverse, tordue, convertissez-vous. Et aussi, nous pouvons faire une autre chose, c'est prier. Il faut prier. Il ne faut jamais arrêter de prier. Prier pour le salut de ceux qui nous entourent. Prier pour la formation, l'édification du corps de Christ. Et prier pour le retour de Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Quelle consolation pour ceux qui ne peuvent plus faire grand-chose pour la diffusion de l'Évangile. Il y a des mères de famille qui sont absorbées par leurs devoirs, il y a des malades sans force, il y a des personnes âgées, mais la prière est leur domaine. La prière est leur domaine. L'esprit et l'épouse disent, viens. Pourquoi l'esprit Parce que l'épouse eh a des prières imparfaites. Et l'esprit de Dieu, euh, on en a besoin. Et euh, parfois, nos désirs, on ne peut que les balbutier. On ne sait pas trop comment, mais on veut prier. Et parfois, ce sont des gémissements ou des pleurs qui sortent uniquement donc de notre cœur. Alors l'Esprit vient. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Le Saint-Esprit prie avec nous par des soupirs inexprimables, parce que le Saint-Esprit, lui, connaît la pensée de Dieu. Il sonde le cœur de l'épouse. Quelle force merveilleuse, Seigneur, nous a donné au travers du Saint-Esprit. L'Esprit et l'épouse disent, viens, ce retour est certain. Ce retour, en plus, est imminent. Est imminent. Un signal donné au son de la trompette, à la voix d'un archange qui va retentir au travers de tous les fuseaux horaires de la planète Terre. Amen! Viens, Seigneur Jésus! Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu es à l'école de la foi. On ne marche que par la foi. La vie, c'est la salle de classe. La Bible, c'est le manuel à étudier dans la classe. Les professeurs sont les prophètes de la Bible et les apôtres. Et le doyen de cette école, c'est Abraham, le Père de la foi. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas être comme ces femmes infidèles durant la guerre. Nous voulons être fidèles à toi. Nous voulons être présentés devant notre futur époux comme une vierge pure et présentée à son mari le jour de son mariage. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Nous te demandons de nous pardonner. Nous te prions de nous éveiller. Que le sommeil mortel puisse s'en aller, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nous puissions nous lever comme une forteresse, l'église du Dieu vivant qui sera transportée dans la gloire au travers des cieux. Merci Jésus, dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et ceux qui ont besoin de prier, de prier.